une pensée pour toutes ces personnes-là. Ce soir, je vais parler, je reviens sur Steve Farr. Hier soir, j'ai reçu une vidéo envoyée par Nyat sur WhatsApp. Il m'a envoyé. Nous l'avons eu. J'ai regardé la vidéo. Je vois un truc. Au départ, il ne savait pas que... En fait, des fois, quand je suis là comme ça, je ne vais pas forcément sur les réseaux. Des fois, je suis couché là, je regarde la télé, je suis pas tout le temps connecté. Il dit, nous l'avons eu. J'ai dit que c'est qui? Je pense qu'il m'a répondu Steve Farr. J'ai vu la vidéo. J'ai envoyé à Choukré et immédiatement, j'ai contacté Steve Farr lui-même. Il était dans un état, il ne pouvait même pas parler. Parce que j'ai vu les gens dire que c'est le buzz, c'est monté, c'est descendu. Il ne pouvait même pas s'exprimer tellement sa bouche était gonflée. Sa bouche était enflée. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit que on peut battre sur une personne comme ça. Hein? On tape quelqu'un, il tombe. On verse d'abord la farine sur une personne. Il tombe, on continue de taper les bancs sur sa tête. Et vous voulez qu'on accepte ça? Non. On ne peut pas accepter cet acte de violence-là, jamais. Nous n'acceptons pas ça. C'est pas parce qu'on reste là comme ça, on vous regarde, vous pensez qu'on ne peut passer cet acte de violence. Il était très mal violenté hier. La vidéo n'est pas un montage. C'est une vidéo réelle. Vous connaissez l'approche que j'ai avec Steve Farr. Steve Farr, d'abord, c'est mon ami. C'est quelqu'un avec qui je tourne souvent pour manger et boire. Donc, je ne peux pas, je ne peux rien dire. Je ne peux pas m'exprimer face à ce qui concerne Steve Farr. Parce que moi, je ne cache pas mon lien avec lui. C'est mon ami. C'est un Camerounais, c'est mon ami. Donc, je n'ai pas à faire genre cacheterie comme si je ne le connaissais pas. Je le connais. Vu que vous-même savez que je connais Steve Farr. Donc, un truc comme ça, il ne peut pas se faire agresser ici, là, dans le territoire européen. Et on ne parle pas face à ça. Non, j'ai fait un post, mais ce n'est pas suffisant. Sachez que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas pour heurter qui que ce soit. Personne n'est resté insensible face à cette violence à outrance de la basse grise. Personne ne peut rester insensible face à ça. Ils vont loin. Ils sont allés très loin. J'ai vu les gens dire, ouais, mais pourquoi tu n'as pas parlé pour Tata Lolo? Vous savez, Tata Lolo avait dit que en ce qui la concerne, elle-même, elle sait se défendre et qu'elle va se défendre toute seule. Voilà pourquoi je n'ai pas insisté voilà, dans les commentaires. Et pour Lolo, effectivement, ce n'était pas un boycott, c'était un règlement de compte. C'était un règlement de compte parce que ces gens-là, c'est une bande d'individus, de voyous. Je dis et j'insiste que c'est bande de voyous, de fumeurs de Ndjap qui nuit la diaspora camerounaise. Pour l'image du Cameroun, c'est pas bon. Face à tous les Ivoiriens, on parlait de la politique ici, mais les Ivoiriens n'ont jamais violenté personne. Les Ivoiriens, face à ce qu'ils ont vécu en Côte d'Ivoire, face à tout ce qui s'est passé, ils ont fait leur truc, mais ils n'ont jamais violenté personne. La base de Kamoua la Panthère et son petit frère Nyak, ils vont loin. Ils vont très très loin. Ça ne fait rire personne. Et sachez que je n'ai pas peur de parler d'eux. Je n'ai pas peur de parler de Kamoua et de Nyak. Moi, j'insiste sur Nyak, sur Kamoua. Mes chers frères et sœurs, quand vous vivez cette situation, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver. Ça peut vous arriver. Ils ont commencé comment ici? Ils ont commencé comment? Pourquoi cette haine dans la diaspora? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans leur vie? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si c'est pour fumer le Ndjap, tout le monde peut taper un petit Ndjap. Hein? Tout le monde peut taper un petit Ndjap. Vous parlez de quoi là? Hein? L'année dernière, l'année qui va arriver ici en Europe avec Grand Barak, il est passé en Belgique, il a rencontré ces personnes-là. Ils ont discuté ensemble parce qu'il n'a même pas presté. Grand Barak n'avait pas presté. Vous savez que c'est l'anniversaire de mon ex-président. Et c'est où il est venu. Grand Barak n'a pas presté en Belgique. Ils ont dit jamais. Même comme ça, Steve Farr, dans son calme, un enfant bien élevé et tout,
Il est resté comme les avant. Ils ont pris une photo. Prendre une photo ne veut rien dire. Si Steve Fa a fait une photo avec Nyat, tout ça ne veut pas dire que ce sont ses amis. Nyat, c'est un Camerounais comme tous les autres. Et ceux qui sont sur la photo, pourquoi c'était venu à pas que Nyat sur la photo? Il était que pas. Ils ont fait une photo ensemble. Où est le problème? Ça veut dire que c'est un règlement de compte. Point barre. C'est un règlement de compte. Ils ont voulu faire parce que ces gens-là font des choses pour se faire voir. Ça a commencé par l'arrachat des perruques des femmes ici. Ils ont commencé à arracher les perruques des femmes à Lyon. Aujourd'hui, ils ont atteint un niveau où personne ne peut plus accepter. Quand c'est trop, c'est laid. Ils vont loin. Ces gens ont des rancœurs envers des gens. C'est devenu un groupe comme... Ça dit que c'est devenu comme les... Comment on appelle là? C'est devenu comme un gang, comme une secte. J'ai comme l'impression que bientôt, ils vont demander l'argent aux gens. Que si toi, tu veux prester à tel endroit, si toi, tu veux faire ceci, donner l'argent pour pouvoir passer. Non, ce n'est pas ça un boycott. Ce n'est pas le boycott. Le boycott, ce n'est pas comme ça. Le boycott, c'est... Quand on dit un boycott, par exemple, une personne qui vend les produits comme moi, on dit, bah, on va boycotter Fleur de Lys. Ça veut dire qu'on n'achète plus mes produits. Un boycott, ce n'est pas l'acte de violence. On ne touche pas, on ne porte pas main. C'est un citoyen. Vous allez en Belgique. Steve Fa est arrivé. Il avait sa conférence et tout, avec les étudiants camerounais. Vous avez versé la farine sur lui, c'est suffisant. Même jusqu'à verser la farine, même c'est déjà l'agression. On va dire que vous avez versé la farine, c'est empêcher quelqu'un de faire ce qu'il a envie de faire. Le boycott, c'est ça, non? Ce n'est pas la violence que vous avez fait face à Steve Fa. La prochaine personne sera qui? Moi? Quelqu'un d'autre, un autre Camerounais? Nous ne voulons plus de ça. Vous n'êtes pas... En fait, je vais dire que vous ne faites pas la loi dans la diaspora camerounais. Vous ne faites pas la loi parce que vous réglez les comptes personnels. On ne peut pas vous laisser faire la loi dans la diaspora camerounaise. Où sont les gros bras de Paris? Où sont les gros bras? L'ambassade du Cameroun est là pour faire quoi? Pour protéger ses citoyens. Donc quand moi la panthère et Nyat dépasse tout le Cameroun, hein, pourquoi je les prononce? Parce que dans la vidéo, l'agresseur prononce leur nom pour les donner les points en fait. Ça dit que moi je comprends pas comment on manipule les gens. Ça dit que le petit, comme il a tapé le Mbanga, ça dit qu'il fait ça parce que Nyat ne peut pas sortir. Tout le monde sait que Nyat est chez lui, il ne peut pas aller à certains petits périmètres. Il est chez lui, il a le bracelet électronique. Il ne peut pas aller loin parce qu'il a le bracelet. Mais la semaine dernière, il m'a dit, Mafo, je suis au Cameroun. J'ai seulement dit oui. Bon séjour. Mais je sais qu'il n'est pas au Cameroun, il est en Belgique. Je sais très bien qu'il n'est pas au Cameroun. Il m'a dit qu'il est au Cameroun. Mafo, je suis à Douala. Il m'a d'abord dit que je suis à Yaoundé. J'étais là, j'ai dit que, ah, bon séjour. Après, il m'a encore dit que, ou bien il va aller à Douala, c'est quoi. Je sais très bien qu'il est couché là-bas en Belgique. Quand moi la panthère, aujourd'hui je ne t'appelle pas par ton petit sobriquet, je t'appelle pas ton nom. Tu as des enfants, tu as une femme, tu habites ici en banlieue parisienne. Hein? Imagine, toi on te fait ça. Non, parce que ça va loin. Moi j'ai écouté le discours de Steve Fa, ça c'est le traumatisme ça. C'est le traumatisme qui fait parler Steve Fa comme ça. Il est traumatisé parce que ce que les gens l'ont fait avec sa tête, donner les coups, taper les chaises sur la tête de Steve Fa. Hier, quand je l'ai vu, sa tête était gonflée comme ça. Il avait une grosse tête comme ça. Vous comprenez? Quand moi, la panthère et son petit frère Blé Goudé ne peuvent pas dépasser la diaspora, c'est que vous êtes des faibles. C'est que vous êtes des faibles. Vous avez compris? Et ils viennent salir. Vous savez, il y a un truc que les gens sont en train de confondre tout, de mélanger le professeur Maurice Kamto dans leur bêtise, dans leur patate, dans leur chose à deux balles. Ils pouvaient faire leur combat sans agresser physiquement. Parce que l'agression physique qu'ils prônent là, ce n'est pas bon. Et on doit dire stop. Ce n'est pas ça un boycott. Quand on l'a planté, tu dis tous les jours que l'école est bien. C'est vrai, l'école est bien. Mais viens nous expliquer ce que c'est qu'un boycott. Viens nous expliquer. Tu dis que l'école est bien tous les jours. Un ancien policier, tu as travaillé dans la police française, on t'a répudié, on t'a chassé de la police. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu as une famille,
Tu as tes soeurs. Moi, je connais tes soeurs. Je te connais vu que toi et moi, nous sommes sortis ensemble. Tu veux que j'entre encore dans ça? Tu crois que je peux avoir peur de parler d'un homme avec qui je me suis couché dans le même lit? Non. Je ne peux pas avoir peur de te parler. Je ne suis pas cachée. Mon adresse est connue en France. Vous, tu comprends un peu? Je m'adresse à toi parce que tu mènes un combat personnel. Tu ne mènes pas un combat pour la basse. Tu es frustré par ta vie parce que tu entraînes ton petit frère. Parce que c'est toi qui entraînes Nyat. C'est toi qui l'entraînes. Nyat n'est pas... Nyat, c'est quelqu'un que tu peux tourner à gauche ou à droite. C'est quand moi, la panthère, l'instigateur de la haine. Il vous trompe, vous les Camerounais. Il vous trompe, cette histoire, il s'est caché derrière la basse grise. Il a créé sa part pour combattre Calibri. Même Marseillon a fait une sortie, la dernière fois. Vous regardez les sorties de Marseillon. Il ne prône plus la haine parce qu'il a compris que... Il a compris que le changement ne passera pas par la violence comme ça. C'est pas comme ça que vous allez changer le Cameroun, non. C'est pas comme ça que vous allez changer le Cameroun. Vous avez des enfants qui vont à l'école ici. Hein? C'est pas comme ça qu'on va changer le Cameroun. Marseillon a changé. Même Calibri, tous ont changé. Ils ont compris qu'il y a 4 ans, les élections sont passées. 4 ans, les élections sont passées. Le pouvoir en place n'est plus là. Est toujours là. Donc on attend les prochaines élections. Comprenez qu'un. Hein? Parce que ce que vous prenez comme haine là, ce n'est pas dans la ligne éditoriale du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto a toujours prôné l'amour et la paix entre les Camerounais. Il n'a jamais dit aller agresser, aller agresser. C'est vous-même qui créez ça. Et c'est vous qui salissez ce professeur. Il ne vous a envoyé nulle part. Beaucoup parmi vous ne l'ont jamais approché. Vous comprenez? Beaucoup parmi vous, vous n'avez jamais approché, même parlé au professeur Maurice Kamto. Vous mentez. Vous voulez faire croire aux gens? Regarde-toi, Kamoua la panthère. Tu envoies agresser les Camerounais, toi qui vas être ministre de la Défense. Donc, toi, tu vas dire, moi, je comprends pas. Donc, si le pays s'y change, c'est vous qu'on va ramasser. Toi, tu seras ministre de la Défense. Tu vas écraser tous les Camerounais. Donc, toi, là, tu rêves. Qui t'a promis ça, eh? Qui t'a promis que tu seras ministre de la Défense au Cameroun? Tu crois en ça? Tu crois vraiment que tu peux être ministre de la Défense au Cameroun? Tu parles quel français? Hein? Ton bac même que tu as sur le bac de ton frère. Quand ça entre ici entre vous, désolé, hein? Les voisins ne m'ont pas entendu depuis. Quand ça entre ici entre vous, ton bac que tu as eu, tu as fréquenté avec les papiers de ton petit frère Nyat. Ça avait son nom que tu allais à l'école. Viens nous expliquer, nous les Camerounais, comment tu fonctionnes dans le faux. Tu as travaillé dans la police, tu ramassais, tu prenais un banga. Quand tu arrêtais les petits gens de la cité qui ont le départ, tu arrachais ça, tu fumais. Quand moi la panthère, tu peux être ministre de la justice. Un gars qui fait les partous. Tu fais la partous, tu veux être ministre. Quel exemple pour le Cameroun? Quel exemple? Tu fais les partous partout là. Tu as fait la partous avec une blogueuse. Elle a déclaré si haut. Hein? Tu as fait la partous et tout, la chope de ça. Tu étais couché entre les jambes d'une femme. Et c'est toi qui vas être ministre de la justice. Dans quel pays? Le Cameroun ou moi, mais je suis Camerounais, tu mens. Tu comprends? Si tu veux que tu sois ministre de la justice de Facebook, comme vous faites là, il faut arrêter. C'est quoi ça? Vous souillez les gens comme ça. Vous souillez les gens comme ça. C'est vous qui faites, on nous déteste. C'est vous qui faites, on dit que les baminés, que c'est monté, c'est descendu. Parce que vous souillez toute une tribu. Vous nous souillez. Avec votre violence. Vous avez agressé Steve Fa, pourquoi? En fait, je veux savoir, vous êtes jaloux de lui. Vous voulez être à sa place. On a collaboré. C'est pas Kamo ici qui disait comment. Kamo est chef de gang. Il est chef de gang. S'il est un homme, on se donne rendez-vous, lui et moi. Ici à Paris. Pas la lâcheté. Il faut qu'il arrête. Comment vous envoyer les gens agresser? Et le petit Mboutoukou, il a là tapé le joint. Il a tapé son joint, il se place là. Oui, machin chouette. Oui, commando. Ça dit qu'ils ont déjà créé le secteur. Ils ont déjà créé le truc où ils commanditent déjà. Ça dit qu'ils s'assoient à la maison avec son bracelet électrique, électronique. Ils commanditent comme les chefs de gang qui sont dans les prisons. Et vous voulez qu'on vous laisse faire? Moi, je demande ce soir au gouvernement camerounais, au gouvernement, aux ministres, ceux qui sont ici.
à l'ambassade du Cameroun, l'ambassadeur, vous savez quoi? Donnez-moi l'argent, même 100 millions de francs, c'est pas. Je vais recruter les filles. On va entrer dans la basse. On va entrer. Je connais les secrets du gars là. Je sais ce qui peut l'attirer. Donnez l'argent, on démange, jette ça à terre, dis donc. Ça coûte quoi? Vous ne voulez pas investir pour détruire ces gangrènes là? Ils vont toujours nuire comme ça. Il faut détruire ça. Il y a les courageux. Je vais recruter les Russes. Les filles ukrainiennes, les Nigériens, je vais recruter partout, les filles partout, et on va aller en guerre avec eux. Oui, que le gouvernement nous donne l'argent. Regardez comment vous avez investi pendant la CAN. Investi là où il ne faut même pas. Donnez-moi l'argent, je serai devant, je vais recruter les filles, on va aller les combattre. On va détruire cette histoire à deux balles là. Donnez l'argent, on va aller. Donnez, investissez. Il faut investir. Vous négligez que Fleur de Lys, tu peux faire quoi? Je peux faire quoi? Je peux faire quoi pour casser ça? Pas les vieilles chouettes qui sont dans le mouvement. Quand je vais prendre les filles, je vais recruter les filles, les vrais conteneurs de filles, avec les talons aiguilles. Les vrais conteneurs debout. Moi-même, je serai derrière. On va aller en guerre avec eux. C'est tout ce qu'il est faux. Vous ne voulez pas investir. Hein? Vous avez vu les autres qui ont... Ils sont allés où avec? Je vous dis que les femmes vont aller en guerre avec eux et on verra ce qu'on verra. On verra ce qu'on verra. Vous pensez que ça va vous dépasser? Ils s'assoient, ils croisent les mains. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut seulement avoir les numéros de téléphone de tout le monde. Un grand manipulateur. Hein? Tel artiste, oui, si tu ne m'appelles pas, tu ne passes pas. Oh, si tu ne collabores pas avec moi. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir le carnet d'adresse de tout le monde. Pourquoi? Si c'était un mouvement au départ, là-bas, c'était un mouvement que tout le monde respectait. Tout le monde respectait la basse. Ils sont venus, ils ont d'abord mis les femmes, vraiment les écarteuses de la basse. Ils ont d'abord cassé Calibri. La manipulation. Mettre Calibri à côté, commencer à dire aux gens comment il n'est pas Camerounais, alors que c'est lui qui les a formés. Calibri, tu as vu? Tu as vu aujourd'hui Calibri avec Marseillon, vous avez vu? Les Camerounais ne sont pas contents. Les Camerounais ont déserté la basse à cause de cette violence inutile. Vous venez agresser Steve Farr. Steve Farr, c'est un opportuniste comme vous-même. Ce que vous cherchez derrière le professeur Maurice Kamto, vous cherchez que si demain on vous donne même, ça dit que le riz tombe, vous ramassez. Steve Farr est opportuniste. Eh bien, la vie, c'est ça, hein? Si c'était vous à sa place, nous on a vu comment Steve Farr a commencé ici. Steve Farr a commencé à marcher dans la rue. Il dénonçait déjà, il était déjà patriote depuis. Steve Farr n'a pas commencé à porter son t-shirt qu'il porte tous les jours là du Cameroun là. Il n'a pas commencé à porter ça aujourd'hui. Il a beaucoup, hein. Ne pensez pas qu'il n'a qu'un seul t-shirt. Non. Steve Farr a plusieurs t-shirts du Cameroun. Steve Farr portait ça tous les jours. Il était dans la rue. Il filmait les poubelles, il filmait les quartiers difficiles. Il disait, regardez le Cameroun, oh, changez ceci. Il a toujours dénoncé. Vous avez vu Steve forcément après les élections, mais Steve Fa existe depuis. Steve Fa était là, vous ne le connaissez pas. Steve Fa est patriote, c'est-à-dire que nous sommes tous patriotes. Il n'y a personne qui aime le Cameroun plus que l'autre. Votre façon d'aimer le Cameroun n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne façon d'aimer le Cameroun. On ne peut pas accepter ça. Vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de Steve Fa, vous êtes jaloux de lui, vous êtes jaloux. Dieu, vous savez, Steve Fa, c'est un talentueux. Un garçon talentueux, un garçon opportuniste, quelqu'un qui a eu des occasions, il n'a pas manqué. Steve Fa a vanté la canne, Steve Fa prend les risques de sa vie. Vous voyez seulement qu'il mange avec le gouvernement, il mange quoi? Si on vous met vous-même là, vous allez manger. Hein? Faut pas raconter les conneries, vous-même vous avez des amis qui sont dans le gouvernement. Arrêtez un peu. D'être cette jalousie, cette haine. Vous avez des amis dans le gouvernement. Vous avez des amis là-bas. Même dans vos histoires de litchi que vous faites, que vous mettez sur Internet avant là. Tout ça tourne autour de l'argent parce que vous êtes jaloux. Les litchis, vous avez arraché les perruques des femmes. Vous avez fait quoi de ça? Vous avez donné à vos femmes, à vos soeurs, vous avez fait quoi de ces perruques-là? Et on va pas vous parler parce que vous êtes dans la basse. Moi, je vais intégrer la basse. Je vais créer mon mouvement ici en France. J'attends le financement du gouvernement.
Je crée mon mouvement ici. Vous allez trouver le nom. Mon mouvement sera que les femmes. On va vous montrer qu'on peut vous aider. Mais attendez un peu. Mais quand moi la panthère, c'est qui, non? Moi, je cite que les deux là, parce que ce sont des hommes, c'est eux qui veulent trop se faire voir. Ils veulent trop se faire voir, comme s'ils étaient trop solidaires, comme si ils veulent parler le professeur Moïse Kamto. Lève son nom. Si tu prononces encore le nom du professeur Moïse Kamto, tu découpes ta bouche en sang. Le professeur Moïse est professeur. Vous prononcez le nom d'un intellectuel comme ça? Et vous envoyez où? Vous avez vu écrit où que le professeur Moïse Kamto demande d'agresser les gens? Parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes méchant, vous êtes l'aigreur, vous avez raté vos vies. Allez travailler. Allez travailler. Toi, en tant que tu es entier. Mes chers et sœurs, quand moi la panthère est entier, il a les faux kaolo. Entier vrai. Le faux vrai du kaolo. C'est un gars qui a pris mes photos de garde, a vu qu'on m'a arrêté comme ça parce que j'avais une chambre. Il a balancé ça sur Facebook. J'ai porté plainte. Ce gars s'attaque à vous porter plainte. Vous avez le droit de porter plainte contre lui. C'est parce que quelqu'un à la base que il te parle, tu ne vas pas répondre. Ben non. Non, 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 non. La vraie base, quand on dit qu'un mouvement, on ne règle pas les comptes personnels. Oui. Dans vos histoires que vous passez derrière, oui, elle parle, on va aussi la boycotter. Non, ce sont les comptes personnels. Vous voulez régler perso. Un mouvement ne règle pas perso. Oui. On décide par rapport à ce que tel ou tel a fait. Moi, j'ai appris ce que la basse m'a reproché. Que pendant la CAN, moi, Fleur de Lille, que pendant la CAN, écoutez les choses, hein. Que pendant la CAN, moi, j'étais en train de danser, je montais, je descendais, je buvais les bières et je montais que, je montrais à tout le monde que le Cameroun va bien. Mes chers frères, c'est la seule qui boit la bière au Cameroun quand j'arrive au Cameroun. C'était la CAN, c'était dans notre pays. C'était dans notre devoir de vanter le Cameroun en ce moment-là. Puisqu'il y a les étrangers, on doit vanter le Cameroun. On ne doit pas dire au Cameroun que, aux étrangers qui arrivent que non, faites attention parce que telle chose, non. On rassure les étrangers. Vous me reprochez d'avoir bu, d'avoir un jour dit dans l'un de mes directs que un médecin avait dit à ma copine, ne pas pour Cameroun parce que là-bas c'est dangereux. J'ai dit non, tout va bien. C'était mon devoir de rassurer. Voilà tout. Depuis que vous êtes dans vos mouvements là, moi j'ai commencé à dénoncer avant vous. Les blessés de guerre, les femmes au foyer, dénoncer ce n'est pas seulement la politique. Hein. Vos histoires que vous racontez là. Les blessés de guerre, comment avoir son carolo, les sensibiliser. Vous connaissez comment j'ai toujours sensibilisé les Camerounaises. Avant les histoires de politique, je sensibilise depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Hein? Vous ne pouvez pas aller vous accrocher sur un petit truc même qui n'est pas vrai. Hein? Ce sont les combats, les gens vous entrent là pour... Moi-même, j'entre à la base. Que le gouvernement me donne l'argent, je crée mon mouvement avec les femmes. Je vous dis que je peux recruter les gars. Je pars au Maroc, je ramasse les bosailleuses qui ont fait la route là. Je ramasse partout, partout. Je viens. Je prends une maison. Je les mets là-bas dedans. Je les forme et on part. C'est quoi? Que ça soit. Vous n'avez même pas encore pleuré votre deuil. Mais vous avez perdu une personne d'important dans votre vie. Moi, c'est une famille que je connais. J'ai été là-bas. Dans leur maison. Quand moi, tu veux que je raconte ton histoire? Que tu n'es pas un mec, toi? Tu es frustré parce que tu fumes tellement le manga. Tu fumes tellement le banga que tu n'arrives pas à satisfaire une femme. C'est ce qui te fait mal. C'est ce qui te fait mal. Parce que tu fumes tellement le débat. Tu fumes le débat. Quand tu es couché au lit avec une femme, tu ne montres pas le corrigé que je suis un homme. C'est ça qui te fait mal. Mais si tu vas arrêter, tu arrêtes de fumer le shit, non? Arrête de fumer. Pourquoi tu as mal? Pourquoi tu as mal? Tu as la haine vers moi. Tu as commencé à m'insulter depuis, hein? Donc, je peux me lever n'importe quand. J'insulte quand moi la panthère parce que c'est un gars avec qui j'ai eu une relation. Vous comprenez? C'est un gars avec qui on a une aventure. Et ça ne m'a pas plu. J'ai décidé de ne pas commencer, de ne pas continuer parce que je suis une bonne cochonne. Quand moi, tu penses que les filles qui sont dans la basse là, elles peuvent faire quoi avec toi?
J'ai fait toutes les positions. Ta soeur a raconté l'autre jour, je la touche pas, elle est sa soeur. J'ai fait toutes les positions. Le gars là n'a pas pu. Ça veut dire qu'il n'a pas pu me traiter comme il faut. C'est comme ça que je l'ai zappé. Quand on est parti en Allemagne, quand on est parti en Allemagne, déjà étant en Belgique, ne m'appelez pas, hein. Parce que ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Parce que laissez-moi ça, dis donc. Laissez ça. Flané, si tu parles, on va te faire ci. Je vais parler et je vais marcher dans Paris. Je monte et descends comme je veux. Un gars que. Il m'a menti que c'était chez son frère. Tu veux que je raconte quand tu voulais arracher le concept des anciens Bafoussam, des anciens de Bafoussam. Hein? Tu crois que je vais te laisser tous les injures que tu es parti avec la fille de Londres, tu l'as draguée pour me combattre. Tu agnasses avec la propre personne que tu es que c'est ta soeur. Parce qu'une tousse pas. Regardez ses faits. Regardez la tousse pas, ses faits. Vous comprenez? Regardez une tousse pas, c'est participer à la tousse pas. Tu as commencé à t'allier là-bas. Tu avais les faux profits. Ça, il était balançant en temps. Tu avais les faux profits. Tu travaillais sans salaire pour elle. Pour me combattre. C'est pour ça que tu étais travaillé sans salaire là-bas. Ce qui te concerne, si tu veux parler, je parle comme je veux. Nyat, tu sais, Nyat, hein? Nyat, c'est quelqu'un que je ne gère pas. Parce que Nyat, vous n'avez jamais bloqué sur WhatsApp. Parce que quand ça va tourner, il va toujours dire que ma faux bonjour. Je vais toujours répondre à son bonjour. Donc lui, là, c'est. Vous voyez, Nyat, c'est le fou du village. Donc, même quand c'est comment, tu le prends toujours, il reste toujours là. Tu as besoin des gens comme ça pour regarder un peu. Vous comprenez un peu. Mais quand moi, c'est un manipulateur, tu n'as pas honte. Tu as fini de gérer tes problèmes de famille avec tes propres soeurs partout. Tu en veux à tout le monde. J'ai les voix que ton frère m'avait envoyé. Nyat m'a envoyé. Dans votre réunion de famille, comment tu discutes là-bas? Tu discutes comme une femme. Je ne suis plus avec vous. Les réunions de famille, ce n'est pas aux gens, aux Camerounais, lambda dehors que tu vas faire ça. Que tu t'es d'abord arrangé avec ta propre famille. Hein? Jusqu'à j'ai entendu la dernière fois une fille qui insiste pour confirmer que non, tu fais bien l'amour. N'importe quoi. J'ai dit que mais celle-là, elle est sérieuse ou quoi? Elle est sérieuse? Un gars qui peut casser le dos d'une femme? Je parle, j'assume. Je ne suis pas une gamine. Hein? Regarde-toi. C'est toi qui vas être ministre de la justice au Cameroun. Tu ne peux pas faire l'amour. Tu ne peux pas. Tu es couché. Ça veut dire qu'une fille te donne toutes les positions. Regarde. Entends. Tu ne fais que. Tu fais quoi là-bas? Là-bas, ça avec les vieilles chouettes là. Toi, tu es un gars qui regarde seulement. Ça veut dire que tellement tu t'es déjà vintum toi-même que. Quand tu aimes seulement regarder, tu te touches. Espèce de lespute. C'est ça qui t'intéresse. Regarde comment tu as fait. Je vais vous raconter mon histoire avec lui. Ce gars, quand je le voyais, vous savez, les filles fantasmes. Genre, c'est un policier. Moi, j'imaginais des trucs avec lui. Il était qu'un policier. Tu vois, un policier, quand tu le vois debout, tu vois que c'est un policier qu'il vient mettre tes racles avant de te gnasser. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si elle veut faire un direct posé que je fais, je fais. Si elle veut faire comme ça, je fais. Mettez les cœurs et partagez. C'est ça qui est ça. Voilà donc Yami, non? Ils sont qui? Deux individus qui traumatisent la diaspora. Non, vous donnez le pouvoir là, pourquoi? Avec tous les hommes que je vois ici, vous n'êtes pas forts. Moi, je connais les... Je dis que donc, je ne comprends pas la diaspora camerounaise. Donc, vous laissez quand moi la panthère vous manipuler, il va créer un mouvement. Il dit que donc, tout le monde peut créer dans son parti, alors, pour aller nuire aux autres. Et vous, à Paris, vous ne tapez pas la main sur la table pour dire stop. Vous ne tapez pas, parce que je suis une femme, hein. Je ne peux que faire le direct comme ça. Je suis une femme. Mais vous les hommes là, vous faites quoi? Un garçon, tu veux dire garçon, tu prends la caméra, tu t'assois. Un vrai gars, c'est un gars qui gnasse une femme jusqu'à ce que, hein, jusqu'à ce qu'elle saute comme ça en l'air, commence à parler seule. Tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas un homme. Va te faire foutre et laisse les Camerounais tranquilles. Et si ça te choque ce que j'ai dit, tu vas te pendre bien même. Je règle mes comptes personnels avec toi. Tu as compris? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Tu m'as combattu combien d'années? Tu m'as combattu combien d'années? Ta soeur a confirmé. La nièce de ça. Papa n'a tous pas. Quand on parle de tous pas même, ça dit que tu as envie d'avoir les colosses à côté de toi, que tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça.
On fait la tousse pas quand on ne peut pas se mettre debout. Hein? Les gars m'ont une vieille chouette comme ça. Quand je te voyais. Quand je te voyais, quand moi, je pensais que les autres ne les gèrent pas. Moi, je signe que sur toi. C'est toi qu'ils connaissent. Hein, tu n'as pas honte de traumatiser comme moi parce que tu es frustré de ta vie. La petite là, la fille avec qui où tu habites, le vient, on reste là. Où tu as, tu sais ce que tu as fait, Olivia Evie, non? Un manipulateur qui a rendu une Camerounaise folle jusqu'à elle a écrit le livre. Hé, Seigneur, on va faire comment de lui? Il faut qu'on mette les filles derrière lui. Ce gars a besoin de. Ça dit que des contenaient des Russes. Quand moi, tu veux quoi aux gens? Tu veux quoi? Est-ce que c'est le changement? Tu ne veux pas le changement au Cameroun. Tu veux seulement te faire voir. C'est ce que tu veux. Tu veux seulement te faire voir. Yay! Je n'ai jamais vu ça. On peut être jaloux comme ça. Pourquoi tu es jaloux? Hein? Un peu. Ce que tu as fait à Sivefa, ce n'est pas normal. Tu vas commanditer qu'on agresse un Camerounais comme toi parce que tu es jaloux. Et puis vous avez voulu faire le montage, genre. Non, il a seulement monté. Il n'a rien monté. On l'a agressé. Et ce n'est pas normal. Ça doit stopper. Si vous voulez boycotter, vous boycottez. Le boycott, ce n'est pas agresser quelqu'un d'autre. S'il perdait sa vie, s'il veut pas vu la mort devant lui. Ah, quelqu'un, tu dis qu'il pleure le zizi. Hein? Si je pleure, ça fait quoi? Si je pleure, c'est moi qui pleure, non, ma chérie. Si je pleure, je pleure. Où est ton problème? Il faut qu'il arrête avec son petit frère. Hein? Il faut qu'il arrête d'agresser les Camerounais. Parce qu'à aucun moment, le professeur Maurice Kamto demande d'agresser. Jamais. Que quand moi viens nous expliquer, qui vient démentir? Qui vient démentir? Parce que le gars a prononcé son nom. Qu'il fasse une sortie s'il a un nom. Je lui lance un défi. Quand moi la panthère est niaque, je vous lance un défi. Faites une sortie si ce n'est pas vous qui avez agressé. Vous m'avez envoyé agresser Steve Fa. Faites une sortie. Faites une sortie pour ça. Et vous voulez qu'on mélange tous ceux qui sont dans la base? Non. Tous ceux qui sont dedans ne sont pas comme vous. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Ce n'est pas ça qu'on appelle boycott. Vous mentez. Vous voulez manipuler le peuple camerounais. Hein? C'est comme ça que vous divisez tous les jours. Vous êtes à gauche. Après, on vous voit déjà à droite. C'est-à-dire que bipolaire, hein? Bipolaire, le feu sort. Non. On n'accepte pas ça. Quelqu'un me dit que quoi? Tout ça, c'est le quoi? C'est le Mbanga, non? C'est le Mbanga. Choukré, là. Bonsoir, Choukré. Tu vas bien? Non, il faudrait que quand moi, la panthère arrête. Il faut qu'il stoppe ça. Il a voulu se faire voir. Tout le monde le connaît. Il est très fort. Quand moi, la panthère, si tu es un homme, si tu es un homme, affronte un gars, nous. Si tu es un homme qui a la force, il y a un fort au Cameroun. Nganou est fort. Affronte Nganou, on voit. Va t'entraîner. Va t'entraîner. Tu donnes rendez-vous. Tu affrontes Nganou dans la lutte. On voit. Les Camerounais vont applaudir, vont t'encourager. Que d'agresser les faibles personnes, les personnes qui s'allument. Ça, c'est la lâcheté. Et puis ceux qui ont agressé Steve, enfin, j'ai comme l'impression qu'ils étaient même dans la salle, en fait. Toi aussi, Steve. Tu arrives ici en bain. Vraiment. Toi, tu ne prends pas la sécurité comment? Tu sais très bien que les gens te regardent, que ces gens te calculent. Pourquoi tu n'as pas pris la sécurité? Avec tout l'argent que tu as. Tu aurais pu payer ta vie. Tu peux prendre la sécurité. Ne dis pas que tu t'en fous. Non. Prends la sécurité. Il y a les gars qui font la sécurité. Tu peux les motiver avec tous les millions que tu as là. Tu motives les gars de la sécurité. Peut-être c'est 50 euros, 100 euros par personne. Ils vont s'occuper de ta sécurité. Tu vas t'asseoir avec les frères du village que tu es dans le. Ou c'est quoi là? Tu vas t'asseoir que tu étais dans un bureau d'un frère du village. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Tu ne pourrais pas faire ta conférence comme pour NK. Tu prends la sécurité, Steve Fa.
Tu devrais avoir honte. C'est quoi ça? Regarde comment ils t'ont ridiculé, ils t'ont humilié. J'ai pas dormi, tu le sais très bien. Hein? Tu prends la sécurité, tout l'argent là, c'est pourquoi? Hein? Et puis tu viens parler à tes agresseurs. Genre, tu prends l'amour, quoi. À tes agresseurs, tu es prêt à les rencontrer. Les gars là sont dangereux. Moi, je te dis. Tu montes les dents avec eux, ils sont dangereux. Steve, fais très attention à toi. Parce que j'ai comme l'impression que tu n'aimes pas ta vie. Ces gars sont jaloux de toi. De ce que tu fais. Hein? Tu viens en Europe, tu trouves les gens qui sont là. Tu vas t'asseoir dans une salle comme ça alors que tu as annoncé. Tu as annoncé que tu seras là. Hein? Avec l'argent que tu as, tu pourrais prendre la sécurité. Hein? Tu prends la sécurité. Tu penses que s'il y avait la sécurité, les agents de sécurité sont là pour protéger leur patron. S'il y avait la sécurité, tu ne devais pas avoir toute cette humiliation. Rien que l'effet qu'on t'avait déjà versé, même la farine, la sécurité allait déjà sauter. Ça n'allait pas être comme cela parce que si vous faites les bleus partout, moi je l'ai vu. Je l'ai vu en vidéo. Hein? J'ai vu. C'est pas parce que vous ne voyez pas. Il n'a pas besoin de faire le malin, prendre la bande et coller. S'il y a son visage côté comme ça. Les chaises sur sa tête. La prochaine fois qu'il prenne la sécurité. Même s'il rencontre ces gars comme il est en train de dire. Qu'il va les rencontrer et tout et tout. Hein? S'il va faire beaucoup pour le Cameroun, hein? Une seule personne ne peut pas tout dénoncer en fait. Même vous qui commentez là, vous pouvez aussi dénoncer, vous pouvez aussi lancer vos vidéos, vos directs, vous dénoncez aussi plein de choses qui se passent au Cameroun. Il y a le mouvement OTS là. Nous avons beaucoup souffrance des professeurs là. Est-ce que c'est la politique? Parce que quand on parle, les gens disent que c'est la politique. Les professeurs souffrent au Cameroun en ce moment. Les gens ont la rage. On doit les payer leur salaire. Parce que les professeurs souffrent. Ce n'est pas normal dans un grand pays comme le Cameroun qu'un enseignant, il enseigne 10 ans sans salaire. Ce n'est pas normal. Entre temps, les gens boivent les champagnes. Hein. Ils mangent les caviar. Hein. Moi, j'étais autour là, à la canne là. J'ai vu comment on abandonnait la nourriture. Les services traiteurs là, ce sont les blancs même qui géraient. Ils ont déplacé les watts de la France pour venir faire le service traiteur du VIP. J'ai vu. Je n'ai pas entendu. J'ai vu. C'est les watts qui s'occupaient. Il faut voir les nourritures qui partaient dans les poubelles. Hein? Avant de gaspiller, donnons aussi à ceux qui n'en ont pas. Les gens souffrent au Cameroun. On ne peut pas, on ne peut pas dire qu'on ne souffre pas. On souffre au Cameroun. Tout le monde veut le changement, mais pas de cette façon-là. Tout le monde veut le changement. Tout le monde veut le changement. Mais pas de cette façon. Vous dites que vous aimez beaucoup les gens du Nozo. Que chaque personne de la basse là vient déposer les papiers. Je m'occupe même de 2-3 enfants de Nozo. Parce qu'il y a les réfugiés qui sont à Douala, à Yaoundé. Moi, je m'occupe de 3. Que j'ai loué la maison, je les ai mis dedans. Hein? On n'a pas besoin de venir faire le tapage ici là que oui, je m'occupe de tête, je m'occupe de tête. Vous faites quoi pour montrer que vous aimez le Cameroun? Cassez partout, partout. Faites ce que vous faites là. Non, ce n'est pas aimer le Cameroun. Vous mettez la rage et la haine dans le cœur des Camerounais et nous ne voulons pas de ça. Nous ne voulons pas de ça. Surtout, n'associez plus. Quand moi la panthère, quand tu parles, n'associez plus le professeur Maurice Kamto dans tes choses. Parce que tu aimes bien prononcer son nom. Le professeur et le président élu, le président élu, le président élu, le seul président élu du Cameroun est au pouvoir. Dans la politique, il faut être fair play. Quand tu perds et la vie continue et tu te bats pour les prochaines élections. Arrêtez un peu vos histoires. Depuis quand tu es en président élu, lui-même ne pense pas comme ça. Lui, le professeur Maurice Kamto voit plutôt les prochaines élections. Il prépare les prochaines élections que... En 2025, qu'est-ce qui va se passer? Ma stratégie. Parce que la stratégie de 2018 a loupé de ne pas s'assortir. Ça a tout chamboulé. Aujourd'hui, je prépare les prochaines élections. Ce n'est pas tous les jours président élu, président élu, président élu. Jamais. Il n'est pas le président élu.
Il a un parti politique que beaucoup de gens ont. Vous savez, moi j'étais Cabral avant. Hein. Je ne connaissais pas Cabral. Je pensais que c'est Maguida, un Aoussaïe. Je ne supportais pas Cabral parce que je connaissais. Je voyais seulement comme il s'habillait comme les Wadjo. J'ai dit que, ah, un Aoussaïe sera présent au Cameroun. Je cliquais seulement, je partageais. Je partageais seulement. Après, j'ai arrêté. Arrêtez de dire que, oh, tel n'est pas politique. Tel a fait que tout le monde fait la politique. Quand on dit que le prix de la farine, parce qu'il faut même qu'on augmente le prix de la farine ici en Europe. Qu'on augmente le prix de la farine. Quand on parle de la farine, on met le prix de la farine. C'est le gouvernement, c'est l'État qui fixe les prix. Donc ça, c'est déjà la politique. Le carburant a augmenté. Tout ça, là, c'est aussi la politique. Arrêtez tout le temps de dire que oh, tel ne fait pas la politique, c'est monter, c'est descendre. Nous faisons tous la politique, même la politique dans nos vies, dans nos couples. Donc arrêtez vos conneries là. Vos conneries. Vous comprenez? Cherchons à savoir comment on va faire alors les prochaines élections. Comment vous allez lancer la campagne pour qu'on aille voter votre président choisi. C'est comme ça, c'est pas que vous restez, vous n'êtes même pas la pièce d'identité. Vous n'êtes même pas enregistré à l'ambassade et tout. S'il fallait que les gens se plaignent, c'est que moi-même, je peux me plaindre. Hein? C'est que je peux me plaindre parce que j'allais dire que, mais à l'ambassade du Cameroun, depuis que je suis arrivé en France en 2001, 2001 aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'est les mêmes personnes qui mangent à l'ambassade du Cameroun, ils boivent la Guinness, ils boivent les champagnes. Chaque jour, c'est toujours les mêmes personnes, on invite que les mêmes gens. Un Camerounais peut s'élever, il peut se battre pour la nourriture et pour la boisson. Parce qu'il y a discrimination dans ce pays. Il y a discrimination dans ce Cameroun-là. Et tout le monde voit la discrimination qui est au Cameroun, même ici à la diaspora, dans l'ambassade. Pourquoi quand il y a fête à l'ambassade du Cameroun, c'est toujours les mêmes gens qu'on invite? C'est toujours les mêmes gens. Il faut négocier pour avoir un billet. Est-ce que c'est normal? Nous sommes tous des Camerounais. Arrêtez de dire que oui, n'est-ce pas, tu es français. Vous-même, vous vivez en France, non? Si vous n'êtes pas français, peut-être que vous n'avez pas la possibilité d'avoir votre nationalité française. Parce que vous ne remplissez pas, peut-être pas les conditions. On ne peut pas accepter que dans un pays comme la France, la Belgique, à l'ambassade, c'est les mêmes gens qui mangent, ils boivent la bière. Ils boivent le champagne. On invite les mêmes artistes tous les ans. Je connais certains artistes que l'ambassade du Cameroun, c'est leur maison. Hein. Jusqu'à tu entends, je m'en vais là-bas, c'est bon. Arrêtons un peu ça. Parce que les Camerounais en ont marre de ça. De que je connais tel, je m'en vais là-bas parce que tel qui est là-bas, c'est mon cousin, tel qui est là-bas, c'est mon oncle. Nous, on ne veut plus ça. Et il faut qu'on traite les Camerounais pareil. J'invite les blogueuses du Cameroun. Créons notre association des blogueurs et blogueuses. On dépose là-bas à l'ambassade. Quand il y a un tour, on nous invite aussi. On parle fort. Tout le monde a compris que les gens sont sur Internet aujourd'hui. Laissez les histoires, les gens ne regardent pas trop la télé, sauf l'heure du journal. Regardez en Côte d'Ivoire, les blogueurs sont reconnus. Regardez comment la première dame ivoirienne a reçu la blogueuse Amoshi qui a commencé devant nous. Et vous, les Camerounais, vous encouragez que les étrangers, quand c'est Fleur de Lys, wow, hein, dis donc, elle est qui? Une waka. Oh, c'est monté, c'est descendu. Quand Lolo Beauté suce le sexe, vous appréciez les Camerounais. Vous encouragez que les voisins, vous n'aimez pas vos soeurs camerounaises. Vous encouragez que les étrangers. Hein? J'étais à la Cannes, j'ai payé mon billet d'avion. J'ai ramené 4 personnes à la Cannes. Mes chefs de soeur, pour avoir le billet pour entrer au stade, j'ai failli faire la prostitution du billet pour entrer au stade. Vous trouvez ça normal? On ne traite pas les gens au Cameroun à leur juste valeur. Vous négligez, vous simplifiez les gens. Pourquoi? Eh, vous voulez tout que ça reste entre vous? Pour entrer au stade, il faut voir comment j'ai souffert. Parce que j'étais parti pour ça. Parce que j'aime mon pays. C'est comme ça qu'on aime son pays. Je n'ai pas attendu qu'on me donne. Je n'ai pas attendu être blogueuse d'État. J'ai choisi être blogueuse du peuple. Vous avez compris? Être blogueuse du peuple. Le Cameroun a perdu. C'est grâce à moi que vous avez oublié. Hein? Je ne vous ai pas fait oublier que la CAN est déjà passée. Grâce à moi. Parce que ceux qui étaient à l'étranger, tout le monde était concentré. Je vais vous montrer comment la CAN était. Traitez les Camerounais pareil. Arrêtez de faire cette discrimination. Parce que tel est de telle tribu, tu es mieux que l'autre qui est de l'autre tribu. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on gère ses frères et soeurs. Même l'ambassadeur qui est ici à Paris, il doit nous gérer pareil.
Ce n'est pas comme ça que ça se passe, mes chers frères et sœurs, dans un pays. Ce n'est pas comme ça. Le tribalisme de gauche à droite. Hein? Même ce que l'autre vit là, Lolo vit là, c'est le tribalisme. Les choses là, on a seulement mis là pour dire aussi que voici une bamileke qu'on a mis dedans. On ne l'a pas mis là-bas par amour parce qu'on les met trop. Non. On ne l'a pas mis là-bas parce qu'on les met trop. On l'a mis seulement pour qu'on voit qu'il y a aussi une bamileke. Sinon, les gens qu'on a ramassés pour faire blogueuse d'État, avec tous les blogueuses qui sont ici au Cameroun, vous pensez que ces gens-là méritaient d'être là-bas? Ils font quoi? C'est quoi leur parcours? Ils travaillent quoi en France? Eux, ils travaillent quoi en France? Une dame généreuse a décidé de les aider. Ils ont exposé la pauvre dame. Vous pensez que cette dame a encore aidé quelqu'un d'autre? Et je vois les gens se pavaner à raconter du n'importe quoi. On connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Vous comprenez? Et puis quand j'entends une autre blogueuse manioc là, qui raconte que qui va aller chez les milliardaires bamiléké, les milliardaires bamiléké font des choses dans la discrétion. Vous pensez qu'on distribue l'argent comme ça? L'argent, il faut mériter. On ne s'assoit pas. Vous, depuis qu'on vous donne, vous mangez, là, vous avez alors fait quoi? Avec. Arrêtons un peu. Donc, vous donnez seulement, vous mangez. Vous ne travaillez pas. Vous mangez seulement. Vous mangez depuis des années qu'on vous donne. Vous voyez encore comment vos vies sont? Il faut voir quand tu vas dans certains quartiers à Yaoundé, les maisons à carabote, les maisons prêtes à tomber et tout et tout. Mais quand tu entends que qui vit là-bas, on dit que c'est le gouverneur qui vit dans la maison tordue là. Même les belles maisons, rien. Depuis que vous mangez seulement de bouche, allez travailler, dis donc. Allez travailler. Allez travailler parce que vous allez souffrir. Qui va encore vous donner à manger? Préparez seulement que. Préparez le demain. Ouais, on ne mange pas comme ça, on oublie demain. Ya! Yeah. Ya! Yeah. On ne mange pas comme ça, on oublie que demain à Godoua. Comment quelqu'un peut s'asseoir ses mains et dire qu'on va donner? Moi, on peut me faire un travail remarquable sur les réseaux sociaux. Le temps que je reste là, vous ne me payez pas pour ça. Ce sont mes fans, donc j'ai le droit, quand j'ai envie, de demander. Ce n'est pas la mendicité, ce travail. Wanadon Yami. Les autres foutent quoi? Elles ont déjà fait quoi de bon? Les gens s'asseyent, ils boivent le vin. Ils boivent le vin rouge, ils boivent, ils s'asseyent là, ils parlent qu'on va seulement les donner. Les donner par rapport à quoi? Aller travailler. Vous allez faire comment demain? Vous allez faire comment demain? Quand tu vois certaines personnes, oh, je travaille dans tel ministère. Mais quand tu vois où la personne habite, mais ça fait honte en fait. Mais putain, mais aller travailler? À quel âge? Vous avez quel âge? Vous allez faire quoi de vos vies? Et si ces personnes ne travaillent pas où ils sont là-bas, ce que vous faites comment? Hein? On va vous choquer jusqu'à quand? Allez travailler. Allez travailler. Pensez à demain. Pensez à demain, ce que vous allez faire demain. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien, Toyom. Vous n'avez rien, malgré que vous êtes les CEO. Vous êtes, mais vous n'avez rien. Quand on regarde, vous n'avez quoi? Rien. C'est pour ça que vous êtes jaloux. C'est pour ça que vous êtes aigris, vous êtes haineux. Envers les personnes qui se battent comme les nous. Envers les femmes qui se battent. Ceux qui travaillent, qui pensent à demain. Vous avez la haine. Quand j'aurai 50 ans, si Dieu me donne longue vie, je pense que je serai assise au soleil, en train de bronzer. Parce que j'aurai déjà accompli plein de choses. Ce n'est pas 60 ans qu'elle va aller chercher au travail. Hein. Maman, même le waka, la vente de piment se fait jeune. Parce qu'il y a la nouveauté dans ça. Ce n'est pas qu'on a plus de 50 ans, qu'on s'assoit sur Internet, on commence à écarter les jambes, on commence à faire comme des petits-enfants. C'est l'âge de la retraite. On fait certaines choses dans la vie quand on est jeune. Ce n'est pas la vieillesse qu'on va faire certaines choses. Il faut arrêter. C'est vrai qu'il y a les clients de troisième âge là, qui cherchent les femmes de troisième âge. Mais en attendant, c'est la jeunesse qui passe avant. Arrêtez un peu. Vous ne voulez pas vous respecter. Vous ne voulez pas vous respecter. Parce que vous insultez plus que les qui. Moi, je suis une ancienne insulteuse. J'ai seulement déposé parce que je m'en fiche. J'ai déposé parce que, comme j'ai dit, c'est moi. Je vais laver mon image. Je lave. Je peux être douce. Je peux être changeant. Je peux être ce que je veux.
Mais j'ai dit que vous êtes jalouse. Vous faites pitié. Vous faites tellement pitié. Avec tout ce que vous avez eu. Avec tous les grands titres. Avec tous les numéros. Les bons numéros que vous avez eu. Moi, il y a les jours que les numéros m'appellent, je fais comme si je n'entends pas. Vous connaissez combien de gens de numéros m'appellent? Oui, Fleur de Lille, tu sais, je dis, oh, merci. Parce que je ne suis pas une squatteuse. Genre, parce que je connais un bon numéro, je commence à appeler la personne matin, midi, soir. Demander au vrai numéro que je connais. On m'a dit que, mais Fleur de Lille est bizarre, hein? Comment il n'appelle pas? Non, parce que il faut un peu laisser les gens respirer. En cette façon qu'on est un milliardaire, on va venir sur Facebook commencer à trop chanter son nom, trop parler de lui. Les milliardaires aiment la discrétion. Les gens bien n'aiment pas quand on fait le tapas sur leur nom. Quand je vois les photos de cette peau, de cette dame qui vous a aidé, se pavaner sur les réseaux sociaux, dont elle a eu tort de vous aider, elle a eu tort de vous aider. Vous postez ces photos partout, partout, mais elle n'est pas des réseaux sociaux. Elle vous a... Il y a des gens qui disent même qu'ils ne sont pas des réseaux sociaux, mais ils sont des réseaux parce qu'ils ne veulent pas se mélanger. Ou parce que c'est en postant la photo de quelqu'un que ça veut dire que vous aimez la personne. Vous exposez. Parfois, quelqu'un te donne quelque chose, hein, mais à sa propre famille, n'a rien donné. Du coup, il ne veut pas que tu parles fort, que même sa famille... Il y a les abeilles qui me donnent. Alors qu'on a faim dans leur famille, mais ils m'ont privilégié. Que non, je vais donner à la reine mère. Je prends et je dis merci. Je reste tranquille. Je n'ai pas besoin de venir citer. Hein? Que tel m'a fait ci, tel m'a fait ça, tel m'a fait ça. Mais putain, mais allez travailler. Faites même avant que ça ne marche pas. Faites comme moi. Attendez, porte la chaise. Hein. Je vais m'asseoir quand même. Non, je suis restée debout. Allez même faire, ça ne marche pas. Si vous restez, vous allez faire les tours. Vous allez faire les tours pour qu'on vous donne. Mamie Nyanga est fière de ses milliards parce qu'elle a travaillé pour être milliardaire. On est d'accord? Pas les conneries que j'entends qu'on va, on va aller quémander. Vous croyez que c'est sur tout le monde qu'on quémande? Hein? Vous n'êtes même pas fier parce que dans la vie, hein, il faut avoir sa fierté. Hein? Il faut être fier. C'est quoi ce truc-là de quémander partout, partout? D'aller quémander si les autres ne travaillent pas pour être ce qu'ils sont? Si les autres ne travaillent pas pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est que vous quémandez où? Hein? Ces bandes de blogueuses et d'état là. Non, je ne bois plus le vin, ma chérie. Voilà ça. Hein? Quelqu'un vous a aidé. Une personne vous a aidé. Aujourd'hui, ces photos se baladent dans vos murs Facebook. Sur internet. Est-ce que les gens étaient obligés de savoir que c'est cette dame? Non, vous l'avez exposée. Mais c'est pas possible. Bon. Je vous embrasse. Bonne soirée. Hein. Je vais vous laisser. Et on va dire aujourd'hui qu'il faut que ça cesse. Il faut que la violence physique envers les citoyens camerounais, il faudrait que ça cesse. Parce que ce n'est pas un exemple. Vous faites ça aujourd'hui. Coucou, bonjour, Madame Chapuis. J'espère que tu vas bien. Je t'embrasse. Merci beaucoup encore pour tout ce qui s'est passé au Cameroun, pour la réception. Donc, cette basse-là, la basse grise de Kamwa la Panthère et son frère Nyat, on doit dissoudre ça. Et pour dissoudre ça, il faut recruter les femmes. Je dis que Benjamin a fait le direct en disant que quoi? Est-ce que moi je gère ça? Est-ce qu'elle veut le gérer? Parce que vous avez dit qu'il y a le combat personnel et le combat de la basse, ou c'est le combat boycott. S'il dit ça, ça c'est son truc qu'il dit lui. C'est personnel, non? Donc moi j'en ai rien à foutre de lui parce que ce sont des petits agresseurs.
Ça sont des agresseurs. Oh putain, il y a une dame là qui m'appelle. Ce sont des petits agresseurs. Tu n'as pas parlé pour Paul Choutan. J'ai déjà parlé, ma chérie. J'ai dit que le gouvernement va s'y couper. On va arrêter les agresseurs. Pour le moment, il s'est fait agresser et les gens qui l'ont agressé seront traduits en justice, seront arrêtés. Le gouvernement doit faire son travail de mener les enquêtes et de conduire ces personnes en justice. C'est tout. Il faut arrêter. Vous pensez ça peut. Est-ce que vous imaginez que ça peut être vous? Hein? C'est trop. Arrêtons. Repens-toi. Quand moi la panthère dépose les armes, où tu mènes un combat noble comme ce que vous aviez commencé avant. Où tu déposes les armes. Dépose les armes. Car moi, la panthère, tu es quelqu'un, malgré tout, même si tu n'appelles pas Sabo, tu es quand même quelqu'un avec qui j'ai dormi dans un même lit. Ailleurs, il y a très longtemps. C'est que tu as mal quand il dit ça. Tu as trop mal. Il faut que tu arrêtes ça. Quelqu'un peut perdre sa vie. Quand je parle de quelqu'un qui peut perdre sa vie, ça peut être dans le camp de la personne que vous combattez ou dans votre camp vous-même. Parce qu'il ne faut jamais dire jamais. La Russie a cru prendre l'Ukraine en 2 jours. Mais ça fait déjà 1 mois. Ils n'ont pas encore pris l'Ukraine. Ne simplifiez jamais quelqu'un que vous venez attaquer. Vous avez fait Aïcha Kamouas. Elle vous a pardonné. Elle a dit, je pardonne, je ne porte pas plainte. Vous avez fait à Steve Farr. J'ai écouté son discours. Vous avez fait à Lolo. J'avais écouté son discours. Quand c'est trop, c'est laid. Combien de Camerounais vous allez encore agresser? La prochaine personne sera qui? Moi? Qui d'autre? Pourquoi vous voulez commencer une guerre alors que vous combattez la guerre au Cameroun? Pourquoi vous voulez une guerre dans la diaspora? Toutes ces personnes que vous agressez là, dites-moi qui travaille dans le gouvernement là-dedans. Hein? De toutes ces personnes que vous avez combattues, qui travaille dans le gouvernement? Arrêtons un peu. Ça fait mal parce que l'agression de Steve Fa était très violente. Vous avez agressé une femme. La prochaine personne que vous calculez sera qui? Je n'ai jamais été dans votre mouvement pour jouer double face ou quoi que ce soit. Moi, je vous connais. Mais est-ce que je vais faire, genre, parce que vous êtes dans la base, je vous vois, je vous salue pas. Ça me concerne en quoi? Chacun est libre d'être dans son mouvement. Je connais beaucoup de gens qui sont patriotes, qui sont dans ce mouvement soi-disant patriotes, alors qu'ils sont dans la base avec vous. Parce que dans vos choses-là, vous jouez trop les doubles jeux. Vous tous là, vous faites des choses comme ça, on se dit que, mais c'est quoi ça? Il faut arrêter. Agresser une personne, il faut avoir des raisons de boycotter. Vous voulez boycotter quelqu'un, pourquoi? Dites clairement que je vais boycotter telle personne parce que la personne a posé tel acte. C'est comme ça. On ne boycotte pas quelqu'un pour le physique parce qu'on n'aime pas la personne. On boycotte quelqu'un sur les faits. On boycotte sur les faits. Telle personne a fait ça qui n'est pas normal. Nous avons décidé de boycotter cette personne parce que la personne a posé cet acte. La personne a peut-être fait 1, 2, 3 fois. Comme c'est la troisième fois, on va boycotter. Sinon, on pardonne toujours. Quelqu'un peut même commettre une erreur.
même une fois, même deux fois, vous pardonnez. Vous laissez, vous prenez vraiment les choses utiles pour boycotter quelqu'un. On ne boycotte pas comme ça pour boycotter. Il faut boycotter une personne sur des arguments solides. Hein? Il faut boycotter sur les arguments solides. Il ne faut pas boycotter parce que, comme on a fait à tel, il faut qu'on force à telle personne pour donner les leçons aux gens. Non, ce n'est pas comme ça. C'est trop. Vous choisissez au qui fait ça. Je dis et je persiste que pour Lolo n'était pas un boycott. C'était un défi qui se sont lancés en disant que si tu tentes de venir à telle soirée, tu vas voir comme ça. Elle aussi, elle a dit que je vais venir, on va voir ce qu'on va voir. Mais c'était des problèmes personnels qui concernaient qu'à moi et Nyat. Parce que Nyat m'a dit, oh, elle insultait ma mère. Elle a dit que ma mère va périr dans la tombe. Elle sera boycottée à vie parce qu'elle a insulté ma mère. Écoutez-moi les choses. Dans leur clash là. Est-ce qu'on peut décider de boycotter quelqu'un parce que tu as des problèmes personnels avec la personne? Vous-même, il faut regarder l'affaire-ci. Ce sont des choses privées. Hein? Ce n'est pas normal. Quand vous parlez même que Steve va manger l'argent du gouvernement, beaucoup de gens des patriotes l'ont fui. Pourquoi? Demandez à ceux qui sont ici en Europe s'ils ont à manger un 5 francs du gouvernement. Le gouvernement avait dit qu'il ne finance pas eux. Ils ont leurs agents de sécurité. Ils n'ont pas demandé à la diaspora, aux habitants de la diaspora. Si vous avez écouté le discours du président de la République, c'est parce que vous n'écoutez pas. Et vous dites que vous étiez à l'école. Là où vous êtes assis, là, vous, la basse là, que ce soit la basse grise, la basse blanche, sachez que le président de la République avait dit qu'il ne connaît pas ni la basse ni les patriotes et que vous êtes tous des enfants du Cameroun. Le président a dit que vous êtes les enfants du Cameroun. Donc quand vous êtes même en Bengla, vous pensez que partir au Cameroun, on va vous arrêter. On ne va pas vous arrêter. Hein? Personne ne va vous arrêter. Vous pouvez vous lever, vous partez au Cameroun, on ne va rien vous faire. Parce que le président de la République a refusé ça. Il a dit que la diaspora doit rester unie. C'est parce qu'on vous effraie. Vos histoires qu'on dit qu'il y a non à l'aéroport. Il n'y a pas vos noms à l'aéroport. Si vous voulez sacrifier une seule personne, la personne part au Cameroun, il revient. Il n'y a pas vos noms. C'est les conneries qu'on vous a racontées. Hein? Toi, tu dis que tu es allé à l'école. Tous les jours, quand moi, je dis que l'école est bien, l'école est bien. Mais l'école est bien et c'est ça qui vient nous montrer, maman. Ça, c'est l'école. Quand tu fais l'école, ça, c'est pour éduquer. Hein? Comment vous pouvez faire saigner une personne comme ça? S'il ne peut pas eu les points de structure, hein, ils l'ont beaucoup tapé à la tête. Quand on vous dit que le ketchup, les gens qui se réjouissent de ce qui arrive à Steve Farr, certains artistes qui se réjouissent, vous n'êtes pas épargné. Que s'ils aiment trop le Cameroun, qu'entre quand moi et Nyat, une personne se sacrifie et pas au Cameroun. Pour l'amour du Cameroun. Ils n'ont qu'à faire ça. Personne ne va les mettre en prison. Il faut que Kamwa demande pardon. Kamwa doit demander pardon parce que c'est lui qui est commandité, c'est lui le chef de la basse grise. Et j'interpelle les Bobby Tanap. J'interpelle les Bobby Tanap. C'est toujours une branche de la basse. Vous savez que c'est beaucoup, beaucoup. Faites attention parce que vous avez des enfants, vous avez des familles. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Oui, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Je vais vous laisser. Bonne soirée. Alors, je vous donne rendez-vous le 2.
Le 2 à Londres, hein, le 2 avril à Londres.